Gibilette au lieu de dire de Bretagne. Je voulais rebondir sur l'intervention de notre député pour dire qu'il faut que le citoyen s'empare de ce sujet-là. Il ne faut pas qu'on se voile la face. La question du modèle agricole en Bretagne et de la stratégie du développement agricole reste aujourd'hui une question taboue. Et je vais donner deux exemples récents. Il y a 3 ans, quand le pacte d'avenir pour l'agriculture et l'agroalimentaire en Bretagne a été examiné et voté par le Conseil régional, la deuxième assemblée de Bretagne, qui est le CESER, Conseil économique, social, environnemental, régional, qui représente la société civile, contrairement à ce qui se passe pour tous les autres volets de la politique régionale, le CESER n'a jamais débattu du projet de pacte d'avenir. Un exemple plus récent, qui date du dernier trimestre, les ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique ont demandé et de la Santé ont demandé à ce que soient organisés des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation. Il y avait 2 réunions de prévues. La première s'est effectivement déroulée en Bretagne. Il s'agissait de l'organisation des filières et de la redistribution de la valeur ajoutée. La deuxième concernait les questions des liens entre alimentation et santé, alimentation et environnement. Contrairement à ce qui s'est passé dans la quasi-totalité des autres régions de France, cette deuxième réunion, qui devait être organisée par la préfecture de région, n'a jamais eu lieu en Bretagne. Cette question de la stratégie de développement agricole reste dans notre région une question taboue. Et si le citoyen pense que la question de l'avenir de l'agriculture dans notre région, qui est une question déterminante du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue de l'aménagement du territoire, du point de vue environnemental, si le citoyen pense que cette question est une question trop sérieuse pour être laissée aux seules mains de l'organisation agricole majoritaire, il faut que le citoyen provoque lui-même ce débat. Sinon, le débat n'aura pas lieu et la politique agricole régionale continuera d'être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire le résultat de la construction voulue par le syndicalisme agricole majoritaire. Il nous reste 3 minutes, donc, alors je sais pas, il y a...